Bonsoir à tous et à toutes, ici on va se retrouver sur Zombie Night Terror. Alors on va aller faire les stages suivants. On va voir comment ça prend. Alors je sais pas quoi je vais faire d'épisode, enfin de des tâches par épisode. Ça va dépendre de la longueur en fait de l'épisode. Parce que par exemple sur celui-là j'ai déjà galéré un peu plus que le premier. Surtout que je vise les défis sur celui-ci parce que sinon c'est pas marrant. Trouver la cache de drogue. Provoquer une épidémie et tuer 25 humains. Ok. On t'a résolu venir à gauche. Ok, pause. La cage de drogue doit être là au-dessus, je sais pas. Péter générateur. Alors, il me tue des zombies, mais on va peut-être réussir à choper avant. Ok, la cage de drogue est donc là-bas. Oh, j'ai perdu tous mes zombies par là, ok. C'est quoi ça? Le commandeur est un super zombie qui peut contrôler les mouvements des autres zombies. Je comprends pas comment est-ce qu'on fait. Ah ouais, ok, donc ils vont faire des tours comme ça. Ok, donc je dois le mettre là pour leur dire de monter vers le haut en fait. Mais je dois le faire quand j'ai coché le truc en fait. Ok, donc je dois faire ça. Ça, là. Lui il s'enfuit. Nous apprenons petit à petit davantage sur le comportement des zombies. Certains que l'on a baptisés les commandeurs semblent avoir développé la faculté de contrôler leurs congénères. Ces sortes de généraux servent des cérébrés commandant donc leurs troupes de morts-vivants pour provoquer le maximum de dégâts. Après le Fox pour Zentinus. Oula, pause. Donc ce générateur-là contrôle la trappe ici. Trappe qui va buter les zombies, je suppose. Donc déjà ça, va falloir la casser. Ça va me donner du DNA. Ça va me donner un commandeur, je suppose. On va voir ça. Ok. Donc on va les faire remonter par là. Et le commando va en transformer un qui va dire aller par là. Ok, on referme ça.
sacrifier un zombie pour récupérer de l'ADN. Ok. Voilà, petite télé. Ici April Fox avec un nouveau point sur la situation. Plusieurs témoins rapportent des cas de combustion spontanée chez les individus infectés. Ils parlent, je cite, de boules de flammes vertes. Les autorités n'ont pas confirmé cette information qui donne plus de détails. Restez avec nous pour être les premiers informés. April Fox pour ZNT News, la chaîne qui vous dit tout sur les zombies. Est-ce que lui il fonctionne toujours ou pas? Ouais. Donc en fait je dois faire ça. Ouais, la sortie elle est là. Ouais. Ok. Provoquer une épidémie, tuer 25 humains, trouver la cache de drogue. Ça devient un peu plus compliqué. Alors, est-ce qu'il y a déjà des armes? Lui, il a le genre de Toki. Il y a Einstein là. Là, il y a une genre de trappe. Là, il y a un genre de Jésus, je sais pas quoi. Là, il y a un mec avec un flag. Je suppose que s'il tombe de là, il meurt. Ça, on dirait des mines. Ouh, ça va être compliqué ça. J'ai quoi? J'ai un commandeur. Par contre, j'ai pas de ça. Alors déjà, j'aimerais bien voir ce que fait ces mines-là. On va peut-être d'abord prendre quelques zombies. On va casser cette porte-là. On va les faire monter là. Là, on fera un commandeur qui va leur dire d'aller à gauche. Donc, on fera combustion après. Ouais, c'est des mines, ça, sûrement. Ouais, il le dit lui-même, c'est des mines. Hop, un commander. Allez, par là. Alors du coup on va faire combustion spontanée de celui-là. On va faire qu'il casse la porte là. Ok, ils vont monter là. Ils vont aller par là. On va faire qu'il casse la porte là. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Ah mais là cette porte là elle est fermée donc. Merde! Hop! Il a un bâton. Je pourrais casser ça pour aller en bas. Voilà, on va tous les regrouper au même endroit. On fait quoi? Est-ce qu'on passe par en dessous? Avec un commandeur là. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On va casser cette porte là. Celle-là. Celle-là. Ça, je pourrais virer le mec au bâton et le mec au et les deux mecs au flingue. Allez, allez, allez. Oh, c'est bon ça. Hop. Alors là, j'aimerais bien qu'ils y aient pas tous. Genre à partir de là, vous allez par là.
Comme ça, il reste une mine. Donc normalement, eux, ils vont péter la mine. Et eux, ils vont achever les survivants ici. Hop, on va quand même mettre un commander. Parce que un zombie, c'est suffisant. Merde. Bon, ils vont aller par là. C'est quand même moderne avec des selfies. Ok, donc les E, c'est quand ça s'écroule pour ma gueule. Non, en fait il en faut 3 dessus pour que ça s'écroule, là il en faut 10 pour que ça s'écroule. Voilà. Oh, du coup. Il y a un flag lui. Ah, il y a deux flags en fait. Deux mecs à bâton et deux flags. Sous mes zombies là en fait. Ils sont là, tu montes le. Là, tu montes là, tu casses ça. Vous allez par là, casser ça, ça. Ça, on va les regrouper. Merde. Il me reste deux zombies, mais... On va plutôt monter là. Allez, casser ça là. Allez par là, casser ça là. Accélère un peu. Du coup, on va essayer de choper ces branques. Voilà. Donc là, ils vont pouvoir monter là. Il faudra un commandeur ici pour leur dire d'aller par là. Voilà, hop, toi tu vas être commandeur, vous allez par là. Allez. C'est combien? 9 zombies. Là, du coup, j'en ai 10, donc c'est bon. Bon, il y a deux pelés que j'aurais pas tué.
sais pas par où est la sortie. Pour moi, la sortie, c'est ce truc-là, mais... Bah, terminé, je sais pas, et plus là, de toute manière. Ah, j'ai débloqué. Alors, je sais pas c'était quoi, mais... On a combien de temps? 15 minutes. Bah, voilà. Voilà, c'était donc la deuxième partie du Zombie Night Terror, donc on espère toujours que vous avez aimé, que vous avez kiffé, et à plus sur le monde.